Aujourd'hui, donc, on a fêté la 666e Saint-Marcel, avec le bœuf en plus. Donc, c'est une particularité parce que ça n'arrive pas tous les ans. Donc, c'est tous les 3 ans ou tous les 4 ans, en fait. Et donc, ça attire énormément de monde. Et le fait de voir le bœuf le samedi vivant dans les rues du village, enrubanné, et puis après le dimanche, de le voir embroché, ça fait quelque chose de particulier. Voilà, c'est toujours un plaisir de venir maintenir les traditions de notre village et du Var, et puis de pouvoir jouer avec des collègues pendant cette fête. Donc de maintenir, de transmettre cette tradition, cette belle tradition. Alors Saint-Marcel, c'est un évêque du 4e siècle, un évêque du 4e siècle qui était évêque de Die. Donc cet évêque, donc, sur la fin de sa vie, après avoir accompli un travail considérable, va en pèlerinage à Rome. Pour revenir en France, il passe dans la région, pas très loin, à Montmeillan. À Montmeillan, donc, il y a là un monastère, et il va s'y reposer avant de reprendre sa route. Mais voilà que l'heure de la fin de sa vie a sonné, et il meurt donc dans ce monastère. Les siècles passent, et donc au XIIIe siècle, donc 4e, 13e siècle, ce monastère est en plein déclin, il n'y a quasiment plus de moines dans ce monastère, on décide de fermer le monastère. Mais que faire du corps de Saint-Marcel? La collégiale qui sera le plus proche du monastère où est le corps de Saint-Marcel, emportera donc la relique. Et pendant que les Aubsois sont en train de mesurer le chemin qui sépare d'Aubs du monastère Saint-Maurice, les Barjolais, de nuit, vont chiper le corps de Saint-Marcel. Ce jour-là, pour la Saint-Antoine-Hermite, on tue un bœuf en souvenir d'un bœuf qui avait sauvé Barjolais de la famine des siècles auparavant. Barjolais était encerclé par une armée ennemie, la population était sur le point de succomber à la famine et un bœuf était apparu dans les rues, donc qui avait sauvé la population. Et donc tous les ans, on tuait un bœuf en mémoire de ce miracle. Les femmes de Barjolais étaient en train de laver les tripes du bœuf à ces sources-là, et quand elles voient revenir le commando qui a réussi le coup de l'enlèvement du corps de Saint-Marcel, toutes heureuses, elles mettent les tripes dans le panier, les paniers sur la tête, et en dansant, sautillant, elles accompagnent le cortège jusqu'à la collégiale. À ce moment-là, donc, là, le cortège entre dans la collégiale, les Barjolais se rendent compte que le corps de Saint-Marcel est là, et tout le monde se met à sautiller de joie dans l'église, d'où la fameuse danse des tripettes. De la musique, on est à peu près entre 40 et 50 fifres et tambours, c'est à peu près 20-25 fifres et puis 20-25 tambours. Et puis au niveau des bravadeurs, vous avez à peu près une vingtaine d'hommes en armes. Il y a beaucoup de monde qui intervient au niveau de cette fête, quoi. C'est vraiment tout le village participe pendant une semaine. Voilà, on sent une frénésie, on sent une envie que la fête soit là, et surtout les années où il y a le bœuf. C'est super, ouais, c'est très très bien de faire continuer les traditions comme ça, c'est très très sympa, ouais, c'est bien, ouais, faut continuer comme ça. Ça rappelle un peu notre jeunesse où on venait passer tout le week-end à Barjolles. Il faut vraiment que la Provence continue à vivre. Il n'y a pas que le soleil qui compte, mais il y a toute notre culture.